Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc pour la nouvelle vidéo, la vidéo du jour. Donc en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a énormément de luminosité, donc voilà, j'en profite. Aujourd'hui, on se retrouve pour un big haul, parce qu'en fait, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté dernièrement, et en fait, qui me plaisent énormément. Et pour quelque chose d'assez important, voilà, qui peut changer une personne, voilà, dans sa vie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas à mettre plein de pouces en l'air, moi ça me ferait... Enfin, ça me fait énormément plaisir de voir que vous mettez peut-être qu'il y a 3-4 likes sur quelques vidéos, mais c'est toujours des likes qui me font plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à en mettre. Et puis moi, je vous fais plein de gros bisous. Et on va commencer avec tout de suite. Le truc le plus important qui peut changer la personne, je vous montrerai en fin de vidéo. On va commencer donc avec une gamme que j'ai achetée et qui me plaît, que j'ai en ce moment sur moi. Donc il s'agit de la gamme de chez Maybelline New York, donc la gamme Fit Me. Ah, donc j'ai la poudre, le petit concealer et le fond de teint. Alors sachez qu'en ce moment j'utilise que le concealer et la poudre. Il y a un moment je mettais du fond de teint, mais je me suis rendu compte qu'il était trop foncé pour moi. Donc du coup j'ai dit bon bah tant pis. J'ai arrêté de le mettre, mais maintenant en fait je mets que le concealer, j'ai rêvé, et il me suffit grandement. Donc voilà, j'ai pris toute la gamme, en fait j'ai pas tout acheté, genre toute la gamme d'un seul coup. J'ai acheté d'abord la poudre, ensuite le fond de teint, et après j'avais acheté le... En me rendant compte que le fond de teint était trop foncé, je me suis dit bon, pourquoi pas essayer le concealer. Et puis bah y a aucun souci, c'était une gamme qui avait, enfin surtout les concealers qui étaient plus en France, en fait qui étaient plus disponibles en France, et donc bah voilà, ils sont réapparus, on va dire ça comme ça. Et puis donc voilà, j'ai racheté toute la gamme, donc au moins niveau teint je suis vraiment pas mal. Et vous voyez que sérieusement je l'ai mis en gros ce matin 9h, ça cache toujours autant. Donc je vous conseille vraiment cette gamme là, la gamme de poudre et concealer et de fond de teint Fit Me de chez Maybelline. C'est vraiment les meilleurs, je vous conseille. Si vous cherchez un fond de teint courant et tout qui tient toute la journée, je vous conseille vraiment cela, parce que là j'ai mis ce matin 9h et ça n'a pas bougé du tout. Donc que dire, j'ai aussi acheté donc ce rouge à lèvres, donc c'est le rouge à lèvres que je porte ici, donc il vient de chez Essence. Voilà, donc il a l'air un peu... Ouais, il est comme ça, en fait, je vais dire comme toutes les youtubeuses disent, il a l'air un peu plus foncé ou un peu plus clair en vidéo, mais en fait, non. C'est exactement ce qu'il donne, et donc voilà, ce qu'il donne donc sur mes lèvres. Alors, je m'étais dit, ça va être mon rouge à lèvres de l'été, genre je vais le mettre tous les étés et tout, mais en fait, j'ai pas su me tenir, et je l'ai mis avant, comme vous le voyez, mais franchement, il tient hyper bien et tout, et franchement, tous les rouges à lèvres Essence, les longues tenues, tous les rouges à lèvres longues tenues de la marque Essence, déjà sont des prix très bas. Je vous dis, le rouge à lèvres c'est 2,89€, c'est vachement pas cher, et en plus ils tiennent vraiment, parce qu'il y a certains rouges à lèvres de je ne sais quelle marque qui disent longue tenue, mais ils tiennent pas du tout, or que celui-là j'ai rien à dire là-dessus, il tient vraiment très très bien. Et franchement, de toute façon, tous les rouges à lèvres d'Essence, je le répète, c'est les meilleurs rouges à lèvres. J'en ai acheté un mat, j'en ai acheté un rouge un peu plus foncé, vraiment. Et franchement, que j'ai mis tout l'hiver d'ailleurs. Et franchement, il n'y a rien à dire sur le rouge à lèvres, c'est vraiment les meilleurs. Ensuite, donc, de chez Brochet que j'ai acheté aujourd'hui, c'est pour vous dire, j'ai un sac rempli. Alors, comment vous dire que voilà. Alors, je vais vous expliquer un peu le topo. Donc j'ai acheté un shampoing pelliculaire, anti-pelliculaire, parce que j'ai chopé des pellicules en fait, donc ne vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir avec les poux et les lentes, c'est juste des, genre c'est la peau du crâne qui pèle, et du coup bah ça nous fait des petits points blancs dans les cheveux. Ce ne sont pas des poux, ce ne sont pas des lentes, je vous arrête tout de suite, c'est juste des pellicules. Et du coup en fait il y avait plusieurs offres, et plusieurs fois la même offre en fait, et l'offre c'était 2 pour le prix d'un, donc du coup j'ai donc deux shampoings anti-pelliculaires. Donc j'ai envie de vous dire pareil, toujours pareil, que demande le peuple, que demander. Donc voilà, je suis désolée, mais j'hésitais, je vois qu'elle a changé, mais bon, tant pis. Donc voilà, donc deux shampoings anti-pelliculaires, donc pour le prix d'un, ça valait vachement le coup. Alors je vous conseille, si vous cherchez du make-up, des produits de beauté, de... comment dire, de... enfin qui tiennent bien quoi, de bonnes marques, je vous conseille d'aller chez Brochet. Il y a tous les mois en fait, quand vous êtes abonné là-bas, vous avez des offres en fait, chez vous, vous recevez une carte avec toutes les offres qui a marqué dessus, et franchement c'est les meilleurs quoi, c'est vraiment le truc voilà que je voulais vous montrer. Aussi toujours de chez Brochet, j'ai eu en fait au début, je me suis acheté ce parfum là, donc c'est le Lila Mauve Haute Toilette.
Et il sent vraiment, si vous pourriez sentir, franchement, c'est magique. Regardez déjà. Bon, c'est pas un packaging de ouf. C'est les parfums de Yves Rocher, mais franchement, vu la taille du flacon. Puis là, attendez, si vous pourriez sentir cette odeur. Le lilas, j'adore. Franchement, en plus, c'est hyper printanier, ça fait hyper été. Donc, du coup, je vais le garder pour l'été, celui-là. Je vais bientôt éternuer, je le dis. Je vais le garder pour l'été et bah, du coup, voilà. Et du coup, comme c'était toujours la et même ben, offre, donc j'ai le droit d'en reprendre un. Donc, j'ai changé le goût, hein, parce que je n'allais pas prendre deux fois le même. Et donc, j'ai pris celui au thé vert. Alors, en vrai, comme j'avais l'odeur du parfum de lilas sur moi. J'ai pas eu vraiment le temps, sans vous mentir, de sentir le verre. Donc je vais vous faire sentir tout de suite. Je vais sentir tout de suite avec vous en live. Non, je vais pas. Attendez. Attendez, on va en mettre un petit peu plus là. Oh, j'adore. J'adore, si vous pourriez sentir leurs odeurs, mais purée. Allez voir en magasin, franchement, c'est des odeurs super, moi j'adore. Donc voilà, j'ai pris ces deux parfums-là. Maintenant, ça sent bon. Donc, j'ai pris ces deux parfums-là parce que déjà, je n'en avais plus, sans vous mentir, c'est pas un mensonge que je vous dis là. Mais je n'avais plus du tout de parfum. Ça fait quelques années que j'ai le Hors Moment de One Direction, je l'ai bientôt terminé. J'ai terminé donc ceux que je prenais de chez Essence, les Cherry Cherry, je les ai tous finis. Donc du coup les Chérimi je crois je les ai tous terminés. Donc du coup il était temps que je me rajoute du parfum. Et franchement enfin je peux vous dire que ceux là je vous les conseille vraiment. C'est vraiment les meilleurs. Désolée j'ai pas terminé avec mon jet. J'avais le droit à un petit Vanity, you know. Voilà comme ça de chez Brochet. Il fait très printanier donc j'utiliserai l'été. Au pire ni on va dire aller en gros au mois d'avril pour aller au lycée. Et la petite voilà le une petite pochette comme ça qui ne se ferme pas, ça c'est spécial. Donc voilà, petite pochette comme donc, ça. Donc il me semble qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je vous avais dit sur les réseaux sociaux que voilà, ou dans une vidéo, voilà, c'est dans la vidéo, je ne sais plus, playlist de l'hiver, je crois, un truc comme ça, je vous avais dit que je m'étais fait arnaquer et tout, bref. Et donc par rapport à un iPhone 6 et tout, enfin bref, d'ailleurs, je le répète, dites-moi en commentaire si vous voulez voir, si vous voulez que je vous raconte ma life un petit peu, que je vous dise. Comment éviter de vous faire arnaquer et tout, parce que moi je suis tombée dans le panneau et ça ira, franchement ça ira. Donc du coup, voilà, il me fallait absolument, moi je voulais absolument un iPhone 6 et voilà. Ce qui peut changer la vie d'une personne, c'est ça, parce que passer de ça à ça, je vous promets que c'est complètement autre chose. Donc voilà, donc j'ai racheté un iPhone 6, je l'ai acheté chez Cash Converters à Chaloux, si vous voulez tout savoir. En fait, c'était samedi. Pour vous expliquer vite fait, donc comme d'habitude, on va à Cash Converters pour moi regarder s'il n'y a pas des iPhone 6 à vendre. Et là, j'ai vu celui-là. J'ai dit, bon, je fais quoi? J'avais mon argent sur moi. Je me suis dit, bon, je fais quoi? J'achète, j'achète pas. Ça m'énerve, j'ai tout le temps les petits cheveux. Je me suis dit, bon, je fais quoi? J'achète, j'achète pas et tout. Puis je me suis dit, ouais, bon, il n'y a pas à hésiter. Ça se trouve, il va plus en avoir. Samedi prochain, je vais retourner, il va être vendu. Donc. Ouais bah j'ai sauté le pas du coup et je me le suis acheté. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez un what's on my phone en commentaire. Cette fois je vous promets, l'année dernière je vous avais dit par rapport à celui-là que j'allais vous en faire un. Je vous avais demandé de me poser des questions. Il n'y avait eu que deux personnes qui m'avaient posé des questions. Mais je pense que je vais pas partir sur le principe des questions. Je vais partir sur le fait que je vous le présente. Et puis c'est je pense que ça ira très bien comme ça. Donc voilà, je vais partir sur le fait que voilà, je vais vous présenter un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis voilà, donc je vous promets que... Alors j'ai un peu de mal avec Apple parce que forcément ça c'est Android et ça c'est Apple. Donc j'ai un tout petit peu de mal en fait avec le fait que ce soit Apple. Par exemple là j'ai un mal de chien à me mettre des musiques dessus. Donc si vous savez mettre des musiques sur iPhone, voilà, n'hésitez pas sur iPhone 6, n'hésitez pas à me dire comment vous faites parce que je veux vraiment de la musique sur mon téléphone parce que si je n'ai pas de musique, je suis dans la merde, autant vous le dire. Des fois quand je pleure, j'écoute de la musique, quand je suis pas bien, j'écoute de la musique, quand je suis bien, j'écoute de la musique. Donc voilà, pour moi, la musique c'est vraiment quelque chose de très important et je veux pas passer à côté, enfin je veux dire, je veux avoir de la musique sur ce téléphone. Donc si vous savez mettre de la musique sur iPhone 6, sur iPhone tout simplement, n'hésitez pas à me dire comment vous faites. J'ai compris un truc, c'est qu'il fallait télécharger iTunes sur son PC, enfin j'ai à moitié rien compris du tout, et ensuite il fallait
télécharger une application genre Musique Ninja ou un truc comme ça pour mettre des musiques sur son téléphone, mais l'application la télécharge sur son ordi ou sur son téléphone. Vous allez me prendre pour une conne. Là, je suis sûre que vous êtes en train de vous dire, voilà, quoi. C'est vrai que conne, quand, depuis ses premiers téléphones, on a été chez Android et que là, on passe à Apple, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, au-dessous, voilà. N'hésitez pas à me dire en dessous comment, donc déjà si vous voulez un What's on My Phone et si aussi comment vous faites pour télécharger des musiques sur iTunes. Je suis sûre que vos commentaires me seront très utiles parce que je suis dans la merde. Aussi j'ai racheté un ordinateur, enfin j'ai mon papa, parce que si je dis j'ai certaines personnes, bon, ma vidéo je vais me faire tuer. Mon papa m'a gentiment racheté un ordinateur parce que genre l'autre jour je vous explique un peu. J'étais chez ma grand-mère, j'étais avec l'ancien, il voulait pas fonctionner du tout, du coup je me suis dit, ouais, bon, là, aussi pour acheter un ordinateur. Donc du coup, voilà, je vous dirai pas le prix de l'ordinateur, mais il est assez cher. Il est assez cher quand même. Donc voilà, donc je peux remonter mes vidéos comme je veux, et je peux refaire ce que je veux, je peux monter mes vidéos comme je veux et tout. Toujours avec Windows Movie Maker, par contre, je suis désolée, mais ça, voilà. Si je vous dis ça, bah forcément, c'est que c'est pas sur Mac, c'est que c'est pas un Mac, c'est un ordinateur, donc voilà. Mais voilà, je vais faire avec, et puis voilà. Donc bref, dites-moi pour What's on My Phone, et puis moi je vous fais plein gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous fais plein gros bisous, et je vous vois très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.